Bonjour les amis, alors je continue à la suite de l'épisode précédent. Je vois que Nori a attrapé la diarrhée. Ah ben ça alors, en mangeant des mush bars. Je leur ai bien dit que c'était pourri. Alors on va faire une petite boutique là, d'apothicaire. Il faut pas mal d'électricité. Waouh, il va nous falloir un générateur à hydrogène là. Et puis peut-être un medical coat, je sais pas, ça consomme rien du tout. Ok. Est-ce qu'on peut le mettre là? Oui. Voilà. Allez, on va faire ça. On va essayer de le faire rapidos pour voir si ça va améliorer la santé de Nori avant qu'elle meure. Ce serait dommage. Là-haut, on continue à creuser, c'est très bien. On va même continuer à creuser. Par là, ça va ramasser un petit peu de slime. Et puis je vois que du slime, on en aura plein aussi là-bas. Ouais, il manque un petit peu d'air là. Ah, ça y est, ils ont ramassé le corps de leur copain. Ouais, c'est bon, ils l'ont mis là. Ah ouais, on manque d'électricité. Alors, est-ce qu'il faudrait pas rajouter des batteries quelque part? C'est pas impossible. Je vais en rajouter. Alors, où est-ce qu'on peut mettre une batterie? Là. Une autre là, ouais. On va mettre du câble normal. Voilà. Et ça, on va le faire aussi en priorité 9. Parce que là, ça urge un peu là. On manque vraiment d'électricité. Voilà. Allez, qu'on puisse stocker de l'électricité, du charbon. On en a. On a des algues, on a tout ce qu'il faut. Il ne manque plus qu'à stocker de l'électricité, quoi. Ça y est, ils ont fait le truc là. D'accord, faut le relier aussi à l'électricité. Ça consomme pas mal de courant, tout ça. Ah. Voilà. Alors j'espère que ça va leur faire du bien. On va voir ça. Je le mets en priorité 9. Le câble électrique. Voilà. C'est bon. Ça, on va le mettre en priorité 9 aussi pour que ce soit plus joli. Marie, qui ne fait plus rien, je crois. On va peut-être... On va voir au niveau du décor. Ah, elle est un peu pourrie là. Et là, tiens, on va remettre une statue ici. Ouais. Et une statue là. Et tout ça, 8. 8. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont un médecin? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont un médecin? Hein? Non, il n'y a pas la compétence médecin. Bon, ben j'espère que ça va aller. Alors, comment ça fonctionne? Je sais pas. Nos fabrications. Ah, d'accord. Il faut lui dire que l'on veut fabriquer du placebo. Ah, ouais, d'accord, pour la diarrhée. Voilà. Alors, on va en fabriquer 5. Il faut des algues. Ah, ouais, pas mal d'algues et du sable. D'accord. Et ça, d'accord. Medical coat, alors qui c'est qui est malade là? Nori. Non, Marie, pas besoin. Ok. J'ai mis une priorité 8. Et là-bas aussi. Ok. C'est qui? C'est Doris, d'accord. Alors Nori, je sais pas où elle est, mais. Ici ne fonctionne plus. Si, ça y est, c'est bon. Ah, c'est ça là. Il n'y a plus de sable. Filtration. Bah, si, on a plein de sable. On est en priorité 7. D'accord. Ceux qui sont peut-être un peu occupés. Là, en plus, c'est la nuit. Alors, on va en profiter pour.
pour aller creuser. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Pour aller creuser quelque part là-haut, il faut qu'on s'occupe de cette eau contaminée, là, ici. De façon... Voilà, on va mettre une pompe. Je sais pas si pour remonter, on mettra une échelle, tant pis. Ok, l'air est peut-être un peu pourri par là. Voilà, alors j'aimerais bien qu'ils viennent creuser assez rapidement ici, de façon à utiliser cette eau. On va peut-être mettre une échelle quelque part, alors un sandstone. Et en priorité 9, on va mettre une échelle ici. Là, ils ne pourront pas passer. Et une échelle ici. Voilà. Et peut-être même 28 000, on va la faire à Ingenious Rock ici. Voilà. Allez, les gars. Venez creuser, s'il vous plaît. Le stress va peut-être un petit peu remonté. On est à combien de 31%. Ici, il y a de la nourriture. Là, ça va. Les batteries ont été construites, je pense. Oui, voilà. Bon, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Ah, ici, il n'y a plus de charbon. Du charbon, il y en a encore pas mal. Ils ont tout nettoyé là. Ça va leur permettre de récupérer du slime aussi. Ok. Allez les gars. Vous êtes 9. On va pas rajouter un duplicant de plus. Hein. Un manque chronique d'électricité. J'ai encore 2 lits disponibles. Ça y est, ils ont fabriqué les médicaments. Pas encore. Ok. Nori, 34%. Ici, Nori, je l'ai envoyé se faire soigner ici pour voir. Je sais pas ce que ça va donner. Absolument pas. Il n'y a pas de priorité, il n'y a rien. Alors oui, nouveau duplicant, non merci, au revoir, voilà. Alors, la personne qui fait tourner l'électricité. Je sais bien qu'on est en priorité 9 ici, mais bon, mais ça va permettre de ramener du slime. Okay. On mettra une pompe ici pour le contaminer, parce que je vois qu'il n'y a plus beaucoup d'eau. Et là, ça se remplit pas énorme. Hein. Pourquoi il marche pas, lui? Pourquoi il ne marche pas, lui? Il n'y a plus de sable. No power. Ah bon, j'ai pas coupé l'électricité. Non. Ah ben non, c'est que on fournit pas assez d'électricité. Pas ça, alors. Ah ouais, là c'est la grosse panne électrique. Ok, qu'est-ce qu'on a comme gaz ici? Ah ouais, vraiment des gaz pourris. Donc là, je pense qu'on va plutôt mettre... un manual airlock ici. Pas contaminer la base complètement. Et on va peut-être même... voilà, créer un sas. Ouais, on va créer un sas comme ça avec notre manuel airlock. Voilà. Tout ça va être bien sûr en priorité 9. Voilà. Pour éviter de tout pourrir. Ok. Donc il n'y a plus aucune contamination de la base avec l'air pourri ici. Alors ça va être un petit peu plus long hein, pour le passage, mais bon. Ok.
Marie, t'as fait tout ce qu'on t'a demandé, c'est très bien. Elle ne sait plus que faire là. Si tu allais tourner la roue, ah ouais, ça serait peut-être une bonne idée ça. Job. Nori, Generate Power. Marie. Ouais, si t'as rien à faire, va tourner la roue, ça t'occupera. Va faire le hamster. Allez, vas-y. Fournis du courant, on en a besoin. Tes collègues y sont occupés. Voilà. Là, ça creuse. Alors, on a de l'eau contaminée juste ici, c'est tout. C'est pas énorme, je pensais que ça serait plus. Oxygène contaminé. Oxygène. Ah, je pensais qu'on aurait plus. On n'a pas plus d'eau contaminée. C'est un peu décevant. Je pensais en avoir beaucoup plus. Ah, là-haut, là-haut, là-haut. Ah oui, là-haut. Oh la vache. Trench stand. Ouais, je sais, c'est un peu pourri là, ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire? On a quoi là? Ah oui, il n'y a que de l'oxygène contaminé. On va peut-être mettre un sol. Ça leur permettra de marcher un peu mieux. On va virer cette échelle là, qui sert à rien. Allez, venez les gars. Ok, là, on va faire un plancher. Et on va fermer également ici pour éviter de tout pourrir. Ah non! Ah! Non! En priorité 9. Allez. Si je mettais un déoxydizer ici. Et puis peut-être on a des algues, on a tout ce qu'il faut. Ouais, on a 2 tonnes d'algues, c'est pas énorme, énorme, mais. Ah, ça sent mauvais. Et je pourrais en mettre un également ici, ça serait peut-être une bonne idée là d'ailleurs. Ouais, comme ça assainirait le sas. Ça éviterait qu'il y ait trop de pourriture qui vienne de l'extérieur là. Ok, donc là ils ont fini de creuser. Bien. Ici c'est pas top ce qu'on a. Mais on pourrait quand même, juste par curiosité, par. Ah, c'est pas ça que je veux. Juste par curiosité, juste pour l'esprit d'exploration, on pourrait leur dire de creuser. Ici, même sur 3. D'ailleurs, on peut creuser sur 3, hein. C'est pas gênant, ça va ramener davantage d'oxygène contaminé, mais bon. Et là, on va mettre une échelle. D'ailleurs, on va peut-être mettre celle-là. Ok. Il faudra qu'on ramène du courant. Comment on va faire ça? On va laisser comme ça. Alors, ces appareils-là, on va leur mettre une priorité assez élevée en recharge de sable parce que on aura vraiment besoin, quoi. Alors, il faut que je ramène du courant ici pour la pompe. Ok, on va pouvoir le prendre d'ici. Là, on passe au-dessus. Et là, on va passer. Ah! Voilà, et on remet comme il faut. D'accord, ça ira pour la pompe. Alors, la pompe, liquid fuel, on la met au niveau le plus bas.
Il va falloir bien sûr tirer les tuyaux, mais on n'en est pas là encore. Voilà, alors là, ils vont pas trop apprécier. Et il va falloir qu'on mette quelque part par ici. Water purifier. Ouais, un water purifier. Alors ça, on va le faire à 9. Et d'ailleurs, tout le reste, je suis désolé, mais tout le reste, il va falloir le faire à 9 aussi. Ils vont pas aimer les cocos. Tout ce qui est électricité. Merde. 9. 9. Voilà. Après, il faudra ramener les tuyaux. Les tuyaux, on va les faire arriver là. Et ils vont revenir se jeter ici. Ok. Je pense que ça va aller. Allez, si tout le monde s'y met, ça va se faire assez rapidement. Il y a intérêt à aller prendre mes douches après, les gars. Lui, il me dit qu'il n'est pas branché. Je veux bien le croire. Voilà. En priorité 9. Voilà. Ensuite, il faudra tirer des câbles d'ici. Là, ça va creuser. Là. On va essayer de le faire comme ça. On rentre ici et on va ressortir là. Là, alors il faudra mettre un bypass ici. Voilà. On entre et on sort ici. Je pense que c'est bon là. Ah non, pourquoi il me l'a mis de côté ? Voilà, c'est bon, ok. Et là, ben, je pense que ça y va tout seul, hein. Ouais. Ok, allez, tout ça à fond. À fond les gamelles, j'aimerais bien voir fonctionner ça. Ok. Tout ça à 9. Voilà, en plus là on assainit l'air. Voilà. C'est bon. Ça a l'air pas mal. J'ai pas fait attention aux matériaux utilisés. J'espère qu'ils auront tout ce qu'il faut. C'est bon, il atteint le matériel. Il est en priorité 9, on va le mettre à 8. Alors là, une grosse réserve ici. Il serait bien de la faire tomber également par là. Ouais. Alors on va creuser ce machin là. Ça là. Et ça. Là, c'est sûr qu'il y a une échelle qui sert à rien. Mais je voulais qu'ils enlèvent ça. Allez les gars. J'espère qu'ils vont arriver à faire ces tuyaux là. Ouais, c'est bon. Pourquoi ils creusent pas ça? Just pour... Ah! Jasper est infecté par des spores. Alors, au niveau des médocs là, est-ce qu'il y aurait moyen de... Là c'est pour la diarrhée et là c'est pour tous les trucs. D'accord, on va en faire 5. Il faut de l'eau et du sable.
Et on va envoyer Jasper éventuellement ici. Ok. Se faire soigner. Nori 44%. Nori. Elle vient d'arriver, elle est déjà stressée. Allez, Nori. C'est bon, t'y es, mets-toi un 8. Voilà. On va récolter ce qu'on a récolté ici, s'ils veulent bien. La nourriture. On a 35 000 calories. On va peut-être réduire la priorité de la bouffe. Ah, il n'arrive pas à atteindre. Oh, juste ce petit morceau-là. C'est dingue, ça. Voilà. En priorité 9. Allez, vite, vite, que ça fonctionne. Il me faut de l'eau, j'en ai presque plus. Là, j'en ai un peu, mais pas énorme. Hein. Et pourquoi ce truc-là, il va pas? Je comprends pas. On a de l'eau contaminée qui arrive, on n'a rien qui en ressort. Ouais, ça ne marche pas. 150 kg, ouais, il manque du sable. Est-ce que j'ai des filtrations? Sand, 53 000 kg. Bah alors les gars. Allez. Faites ça rapidos, s'il vous plaît. Tout ça, c'est quoi? De la clé, de l'argile, ok, l'argile. Sédimentary rock. Là, je pense qu'on assainit pas mal l'air. Voilà, ça évite qu'il y en ait qui viennent trop ici. Ok. On est pas mal. Alors, ce serait bien qu'après on creuse pour faire tomber l'eau ici. Et d'ici, la faire tomber là. Ouais, ouais, je pense que c'est faisable. Ça, c'est en quelle priorité, ça? 5. Ouais, c'est normal, d'accord. Alors, je sais pas où ils sont tous partis, là. Je n'en vois plus. Ah, ça y est. Il arrive. Allez, finissez ça, les gars. Ah, c'est ça qui est important à finir, là. Ils n'ont plus d'obsidienne. Ben alors. Ah, ben ça, alors. Il n'y a plus d'obsidienne. Où est-ce qu'on aurait... Ici, il y en a des roches d'obsidienne, là. Ingenious Rock. Charbon. Phosphorite charbon. Ah, on n'a plus d'obsidienne. C'est un peu embêtant. Dirt, sand, sandstone. Ah, il y en a juste un peu ici, quoi. Bon, on va devoir creuser, alors. Creuser un peu là. Pour récupérer un petit peu d'obsidienne. Mais il faut qu'on creuse assez rapidement. La nuit tombe. Ah. Voilà, là on va récupérer de l'obsidienne. Allez, vous reposez les gars. 41% de stress. Nori, Floyd. Est-ce qu'on arrive à faire les médocs? Nos fabrications. Ok. Bon, ben apparemment ils ont fait là. On va refaire 5 comme ça pour tous les malheurs. Voilà. Là, ça fonctionne. Voilà. C'est bon, ils ont fini le truc. Que ça un petit peu de mal. Ouais, j'ai bien envie de casser ça. Liquid pipe. Allez, on va casser ça. Et on va mettre juste une sortie. Voilà, alors ça a cassé quoi là? Hop hop hop, ça a cassé quoi là? C'est bon, ok. Un tuyau ici et une sortie ici, ouais. Et tout ça en priorité 9. Oula. 9.
Ok. Alors, ils vont pouvoir y arriver là? Je pense que oui. Voilà. Ok. Voilà, comme ça, on n'est plus embêté. C'est indépendant. Et ça fonctionne super bien. Très bien. Alors, il va falloir qu'on s'occupe de monter là-haut pour aller creuser. On va ralentir un petit peu le rythme pour aller creuser. Ici, ça permet d'explorer, de récolter des ressources, tout un tas. Voilà, on va monter jusque-là. Et là, on va creuser. Alors, l'eau, il va falloir qu'elle tombe par là. Ouais, on va faire comme ça, on mettra une échelle. Là, je pense qu'ils n'y arriveront pas. C'est quoi ça, de gold amalgam? Ah, d'accord. Ah, je vois qu'il y a un pouf là-haut. Un puf. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à creuser ça? Je ne sais pas du tout en quoi ils construisent là. Ingenious Rock. Ouais, j'en ai. Donc là, on va mettre une échelle. Nouveau pic indisponible, mais bof, non. Je vais remettre une échelle là. Là. Et là, voilà, pour qu'ils arrivent partout. Et je pense qu'on va relier les deux et tout faire tomber ici. Cette échelle-là, d'ailleurs, ne sert plus vraiment à rien. Allez. Ok, et ici, ça va casser quoi si je fais ça? Ah, ça a coupé l'électricité. Priorité. Ok. Allez, c'est pas trop mal. On a pas mal de nourriture. Je vais même descendre encore la priorité. Est-ce que je reprends quelqu'un? Bah tiens, on va voir. Ils sont 9. Là, ils sont pas... Ah, 53% de stress. Destructeur, destructeur et vomito. Athlétique, tinkering, construction, créativité. Narcoleptique. Il est pas trop mal, là. Même s'il dort un peu de partout. Allez, on prend Mip. Mip, bienvenue au club. Voilà. Tu as une table et un lit. Voyons voir à quoi t'es bon. Mip. Pas de cuisine, l'art non, recherche non plus, il n'y a pas besoin. Oui, tu vas pouvoir, tu es assez tinkering athlétique. Ok, digging 0, il va falloir que tu te fasses, mon gars. Ok, c'est bon. Ah, ils n'ont pas reconstruit encore le bout de tuyau là. Mm-hmm. Alors, à 9, mais on va mettre donc à 8 le fait d'aller creuser là-haut. Allez, hop, voilà, ça va fera du bien. Et en 7, ouais, ça fera des ressources. Voilà. Alors là, elle va réparer le petit bout électrique. Ok, du coup, la pompe refonctionne. Et maintenant, ils vont aller récolter des ressources là-haut. 1, 2, 3. Ok, ça va. On est pas mal. On a 50% de stress. Floyd, mon petit Floyd. Viens vite. Floyd, en priorité 8, tu viens ici, s'il te plaît. Est-ce que j'ai du machin qui me permettrait... non, c'est pas ça. De faire une salle de bain. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas non plus.
Non, j'ai du gold amalgame, mais c'est pas ça. En fait, ce qu'il me faudrait, c'est ça, c'est de la bichetone. Mais la bichetone, il y a de la chlorine, là, c'est pas top. Ici, ils ont bien creusé. Ils sont défoncés, là. Lidl, je parie que c'est Marie. Oui, Marie. Marie, tu fais plus d'électricité? Ah ben, ils sont déjà deux à tourner la roue. Ok. Ben, on va peut-être améliorer encore le décor. Là, je vois que c'est pas forcément top. Ouais. Alors, on va remettre une statue ici. Comme ça, vous serez content lorsque vous rentrerez de l'air pourri qu'il y a à côté. Voilà. On le met à 9. Où est-ce qu'on va pouvoir améliorer encore notre décor? La salle de bain. On va pas pouvoir faire beaucoup plus, je pense. Peut-être un tableau là. Non. Ah, ben si, je peux faire. Je peux encore mettre une statue ici. Eh ouais. Super. Super salle de bain. Ok. Ensuite. Bon, là, les toilettes manuelles, là, on ne peut pas faire grand-chose. Ici, je ne peux plus faire grand-chose. Là, c'est pas top, mais non plus, je ne peux pas faire grand-chose. Ok, j'ai encore de la place libre là. Et au niveau de la du salon médical, c'est pas trop mal. On va refaire quelques trucs là. Il manque des algues. Ah, je n'ai plus d'algues. Ah ben non, j'ai plus d'algues. Merde. Ils ont du slime, mais ils vont en avoir besoin pour la fabrication. Ah oui, parce que là, le gaz a dû. Ah oui, si j'ai plus d'algues. Alors, des algues. On en a quelque part là-haut. Vachement loin. Ouais. Vachement loin. Ça, c'est quoi? De l'hydrogène. On a encore un peu ici, des algues. Donc, on va leur dire de monter. Alors, on va le faire à granit. On en a plein. Voilà, et on va creuser ça. Peut-être pas celui-là. Voilà, et on va creuser ici. Bon, il n'y aurait pas des algues. Alors ça, on va la mettre à 9, hein. Faut pas rigoler. On a vraiment besoin d'algues. Où est-ce qu'on aurait des algues encore? Là, du charbon, un peu d'algues par ici. Du charbon. Ah, j'en vois plus beaucoup, mais je suis sûr qu'il doit y en avoir encore. Mais ouais, je suis pas assez étendu pour le voir. Bon, on va laisser comme ça. Là-haut, je l'ai fait en combien? En priorité 8 et puis 7. D'accord. Donc en premier, ils vont aller chercher les algues. Ce qui est très bien. J'ai bien sûr quelques algues encore ici. Là, on a du vide. C'est du dirt. Ah, je crois les algues. Algues. Ah oui, j'en ai quelques-unes là. Alors, il faudrait également que je creuse. Que je creuse un peu ici, là. Bon, là, il y a du sable qui va tomber. Voilà, ça permettrait. Alors, je vais le mettre en priorité 7. De venir chercher. Voilà, les quelques algues qu'il y a ici disponibles. Ok, on peut laisser comme ça. Voilà, ils font ce qu'il faut là-haut. Là, il n'y avait rien d'important en fait ici. Ah! Ah, il y a des algues. Oh oh. Il y a des algues. Alors, on va préparer quoi? Voilà, le fait de creuser ici. Là. Ici, là et là. Ok. Alors, on va mettre une échelle, sinon ça va mal se passer. On va mettre une échelle là. Et je pense que ça devrait aller. 2.
On va pas être rajouté un étage là. 4. Ouais, bon, ça devrait aller. Allez, on met tout ça aussi en priorité 9. Il faut des algues. Bon, ben là, ils ont de quoi s'occuper. Un bon moment. Ouah, bon, ben, ça a grandi. On a refait une usine de traitement de l'eau. Qui d'ailleurs ne fonctionne plus pour je ne sais quelle raison. Ah, c'est parce qu'elle n'a plus de matériel de filtration de sand, de sable. Et pourtant, du sable, on en a plein. Seulement, il n'y a personne qui est dispo pour aller l'apporter. Mais bon, ça va pas tarder. Allez, on a quoi là? De l'oxygène contaminé. Ah ouais, l'ambiance est vraiment pourrie là ici. Ah ouais, à fond. Oxygène contaminé. Contaminé. Et est-ce qu'il descend? Non, il n'a pas l'air de descendre. Il y a un petit peu de CO2. Bon, on n'est pas trop mal. Là, ça refonctionne. L'air scrubber. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, on en reste là. Peut-être que la prochaine fois, il y aura la sortie du patch pour la régulation de température. On verra, hein. Pour l'instant, je ne tiens pas trop à le mettre à la version bêta là, du patch. On peut la mettre en allant dans les propriétés du jeu sur Steam pour la télécharger en priorité. Mais je vais attendre qu'elle soit disponible pour tout le monde parce que j'ai peur que ça casse complètement les sauvegardes de cette partie-là, par exemple, parce que bon, ils ont rajouté les biomes froids, puis tout un tas de modifications qui ont l'air pas mal du tout. J'ai vu pas mal de vidéos dessus, donc on verra dès que le patch sortira, que le jeu se mettra à jour tout seul. Eh ben, ma foi, si ça casse la sauvegarde, eh ben, on recommencera une partie avec les nouveautés, voilà, qui sont vraiment bien. Allez, portez-vous bien, les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.